qui a rentré, pour le rappel une fois, je crois qu'on l'a pas dit d'ailleurs sur le stream. Il est free agent. Ah ouais, il est free agent. Je crois qu'il est free agent. Ouais. Si vous êtes... Attends, faut demander à la régie. Est-ce qu'il est free agent Trim? Il est free agent. Ouais, 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 il est free agent. Okay. Il est free agent, pour être sûr. Ok. Donc, faut le sponsoriser, les amis. Faut le sponsoriser. Trim Megaman. D'ailleurs, ah ouais, Virus, il est bien mignon aujourd'hui, la petite chemise. Ah ouais. Et on se demande s'il faudrait pas le recruter dans la BAE, lui, parce que bon. Parce que bon, là, la petite barbe taillée, petite chemise ouverte. Le tigre du Bengale. Ça pour moi, c'est des symptômes de la BAE, ça pour moi. Hein. Le tigre du Bengale. Ouais, exactement. Ah, oui. Il y en a qui ont oublié, moi j'ai pas oublié. Moi, j'ai pas oublié. Tigre du Bengale, c'est une blague. Bah oui, j'ai pas oublié. Oui. Oh, les références anciennes. J'ai pas oublié. Virus, il est fort, mais il est pas fort qu'à Smash. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est d'ailleurs Trim, on a un très bon représentant de la BAE aussi. Ah hein, oui, mais clairement. En vrai, c'est deux membres de la BAE qui s'affrontent là. Ils sont là pour le titre de colonel. Repousser les clichés, ouais. Excusez-moi. Le gagnant est promu colonel de la BAE. Colonel. Ouais, ouais. Colonel. Colonel. Après, il y a le maréchal tout en haut, bien sûr. Il y a des maréchaux, ouais. Des maréchaux, je crois, on le dit, non? Maréchaux. Maréchaux. Je crois qu'on peut dire maréchaux. On va dire maréchaux. En tout cas, le mot, il est marrant, on va le dire. Le chat, on a dit une dinguerie, force. Maréchaux. Maréchaux. Il y a quand même des maréchaux, tu pourras pas trop égaler, mais. On a quand même des bons colonels qui sont en place, hein, notamment Trim. Mais tu sais que être dans la BAE, c'est pas forcément spécialement une question d'outfit ou d'apparence physique. C'est aussi une question d'attitude. Exactement. Tu vois. De mental, de mindset. Genre, tu regardes Kingel ou Chesco. Kingel, c'est une dinguerie aussi. Tu vois. Ce sont les généraux de la BAE, tu vois. Maréchaux, ça se dit ou pas, les amis? Dites-nous, là, s'il vous plaît, dans le chat. Ils sont en train de me faire une dinguerie. Moi ça m'intéresse hein, parce que. Ah, il y a 107 bugs, il y a personne qui nous a dit. Ouais, ça se dit. Ok, bah, ouais, bon. Ça se dit, ok. Ça. On parle pas au hasard, c'est bon. C'est en vrai, il y a plein de mots dans la langue française. Des fois, tu sais, il y a des mots, tu vois, normalement, t'as vu, des fois tu les accordes haut, etc. Mais c'est jamais 100% parce que tu vois, il y a trop de règles bizarres dans la langue française. Certains mots, ils se disent pas comme d'habitude et tout. Donc en vrai, tu peux jamais savoir pas, un mot que tu connais. On regarde le chat. On lit tout. Hein. Ah oui, c'est juste. On va pas dire. C'est juste que quand tu nous expliques si il loupe de son règle son trou ou pas, on va pas forcément expliquer. Ah, je rigole. C'est notre ami. C'est notre ami Racker. Racker, comme dirait Negato, Racker. Très, 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 très concerné quand il s'agit de Sora. Nous aussi, hein. Il est toujours là. Il est toujours là. Alors moi, j'aimerais juste qu'il m'apprenne la SJ. Des loupes de Sora. Oh. La fameuse SDI. Ah, le truc qui sert à rien contre Sora là. Ouais. Tu sais, c'est le One Piece un peu. Ah. Genre, on m'a dit, ouais, cherche, t'inquiète, tu vas trouver. Je suis parti en training mode, j'ai cherché la SDI, j'ai pas trouvé. Ouais, t'as pas trouvé. Pas trouvé. Il y a pas marqué sur les instructions du manuel du jeu, t'as vu quand tu regardes dans l'entraînement, là, dans les tips, là, tu sais, les astuces. D'ailleurs, ça s'appelle les Smash Tus en français. Les Smash Tus, c'est incroyable. Tu regardes les Smash Tus, ils parlent pas de SDI, moi. Non, non, ils parlent pas de ça. Ils parlent pas de ça, mec. Moi, ils me disent juste qu'avec Roy, je peux me retourner quand je fais mon neutral P. Genre, tu vois. Moi, ils m'ont dit que le Falcon Punch, c'était un move pas très utile, du coup, je l'utilise pas, tu vois. Parce que c'est un peu lent. Mais je crois que c'est un peu lent, mais c'est stylé. Ouais, c'est stylé quand même. C'est vraiment cool, genre. Alors on est parti, d'où oh, le Tito Game & Watch de oh merde. Là 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 là. C'est l'heure des merguez les amis. Alors déjà faut savoir que là on a quand même un mec qui main le personnage Virus, en vrai il le main avec plein de perso. Par contre pour Trim c'est un peu son second, donc à voir comment il va se débrouiller, mais pour l'instant j'ai jamais vu ce match-up à haut niveau. Hein. T'as déjà vu ce match-up ou pas? J'ai jamais vu ça. Ce Tito à haut niveau. J'ai jamais vu ça. Normalement, à chaque fois, tu vois ce genre de setup dans des coins de freeplay lugubre. Ouais, c'est au fond de la salle que tu mets ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Au fond de la salle, setup, l'écran il est sombre. Y a personne autour. Et là, malheureusement, c'est en stream. Entre Trim et Mia, seuls deux lettres changent. Je crois que t'es bourré, chef. Ouais, je crois que. Ah non, ah non, non, c'est moi, je suis bourré. Trim, my god. Ouais, non, si, y'a que deux lettres qui changent. C'est vrai. C'est vrai. Quoi? Je vais les vanner pour rien. Bah oui. En gros, M-I-Y-A-T-R-I-M. Il y a I-M dans les deux cas. Ah, ok. Ouais. Ça, c'est des Pundis. Ah, ça, c'est des fondamentaux. Ça, c'est mon Smash Bros. C'est ça qui m'a fait aimer le jeu. Ah, après, dis-donc, pour le coup, moi, je trouve que Game Watch, c'est limite des fois beaucoup plus intéressant d'habiter du personnage que de faire des Pundis. Après, absolument. Après, il y a quand même des situations où c'est quand même très intéressant d'habiter des Pundis avec le personnage à quoi il conditionne. Mais dans un premier temps, t'es obligé de faire des trucs de Golemon avec le perso, hein, genre les nerfs, les B, tu vas les spammer un petit peu pour forcer des options en fait, des trucs. Et après, tu conditionnes avec ça, attention, oh, t'as pas eu. Oh là là, conditionnement de taré.
bombe, il savait que c'était chaud, soit il s'était mangé la bombe, s'il faisait une air dodge directionnelle, enfin air dodge directionnelle, il couvrait avec le flash, même air dodge haut, il pouvait pas plus dire, donc en tous les cas là c'était vraiment un très bon set play de la part de Virus. Et là. Neutral air depuis ledge. Et oui, chef. Et ouais, c'est une option de dingue. Les petites merguez en neutral. Oh là là. Oh là là, en neutral. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'en vrai, c'est une dinguerie. Je viens de repenser à ce que t'as dit. À quel point le jeu est parti en couille quand la phrase abuser des fondamentaux existe. Avant, c'était abuser des personnes. Maintenant, c'est. Abuser les personnages, des fondamentaux. Abuser des fondamentaux. Ah, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. En mode abuser ton perso, c'est normal, chef. Ouais, ouais. En mode wesh. Tu abuses pas ton perso. Comment t'abuses pas ton perso? Tu joues Steve, Min Min, Kazbet, t'abuses pas du perso, frère? Faut changer là. En vrai, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et là, on est parti directement. Le neutral air qui a passé, juste 15% malheureusement. Mais voilà, pour l'instant, lead conséquent de la part de Virus. Maintenant, j'ai l'impression que ce match-up, c'est vu qu'en vrai, tu peux pas trop spammer les nerfs vu que t'as un EB frame 3 derrière. Ça veut dire, j'ai l'impression que le premier qui joue, il a perdu. Hein. Ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il faut pas jouer, hein. Ouais, il faut se regarder. Hein. Genre, les deux se regardent. Tu sais, il y a des dictos de merde comme ça. Genre, je sais pas si t'as déjà joué le dicto de Joker, c'est vraiment de la merde. Jamais joué. Ouais, c'est genre le premier qui se fait fumer, il a gagné. En plus de ça, Joker, il garde trop bien Joker avec les guns. Du coup, c'est super, super, super chiant. Genre. Ah, mais à part ça, je trouve que tu vois, genre, globalement, t'as vu. Je pense que Game Watch, il échappe pas trop bien Game Watch parce que Game Watch, c'est dur à l'échappe. Game Watch, et je garde pas très bien Game Watch, alors tu peux pas abuser cette force là. C'est ça. Par contre, en CP, tu fais des trucs, mais à part ça, j'ai l'impression que c'est bizarre. Hein. Moi je pense que Game & Watch c'est un avantage, ça doit pas être ouf Game & Watch. Ouais c'est ça, tu peux trop abuser du personnage vu qu'il est vraiment très fort pour sortir des situations un peu bizarres avec son FB, son downer. Oh le coup de chaise, Fungis, fondamental. Coup de DxRacer en pleine tête, ça va prendre la stock. Une merguez, une seule. Une seule, pas besoin de 5. Il peut même punir au corps. Je pense que Game Watch il peut quasiment tout punir au corps à corps de Game Watch, donc ça veut dire. C'est obligé de jouer très passion. Là on a voulu grave, je sais pas pourquoi il fallait up. Ah bah oui. Faire up mais quand c'est play pas non, de grave. Mais c'est hein. Une dinguerie de dropshield grave, wesh. On est où là? Faut faire des up hein. On est en 2019 je sais pas. Hein. C'est trompé d'année notre ami Virus. C'est là pour le coup, il s'est fait comeback sur ça. Tu vois, c'est parti vite. Pourtant, il avait lead pendant tout le set. D'avance, il a fait 2-3 erreurs. Attends, parce que. Oh attends, c'est jamais fini en ça. C'est jamais. Oh et bon, alors là. Oh là 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 là. Les deux ont fait la même chose. Ils avaient la même idée. Attends, c'est juste le Game Watch qui a gagné l'interaction. Attention. C'est un peu la petite bombe. Oh, le petit parachute, voilà, downer. Oh là là, ça active trop longtemps en vrai. Hein. C'est, là, c'est un landing hitbox. Ah, parce qu'il y en a une. Ok, Trim qui se débrouille plutôt bien. Hein. Il a le lead. Up B, voilà. Là, je rends le B une option. Dès que tu fais une option, tu up B direct. Ça, c'est du Game Watch. On aime. Voilà, la petite bombe, c'est. Oh là 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 là. Il voulait trop la rolling. Ouais. Il voulait trop la rolling. Il voulait trop goûter, Virus. Attention là on va lâcher à la merguez, 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 merguez. On a attendu la run-in potentielle du côté de Trim. Malheureusement on n'est pas arrivé. Situation d'Edgeguard, il va rien se passer. J'ai perçu trop fort en désavantage. Ouais. Tu peux pas l'Edgeguard, tu peux difficilement le lâcher. Ah ça va atterrir avant lui. Wouh attention. En vrai il a mis la chaise hein. Heureusement. Heureusement. Down throw, ça va mettre offstage. Ça peut revenir sur le terrain tranquillement, downer. C'est vraiment une option de fou pour atterrir. Hein. Là c'est dommage parce que Virus il a envoyé. Ouais, il est mort. Ouais, il est mort. Il a envoyé la bombe sur le shield tu vois. Et il a encore couvert la rolling avec le flash alors qu'en vrai je pense qu'il aurait pu avoir un autre mix-up. C'est sûr, hein. c'est sûr. Mais ouais, 1-0 pour Virus. Je pense que là on va partir sur un counter pick pour Trim parce qu'on a voulu tenter je pense le petit game match pour la DRK mais là je vais pas continuer sur ce pick. Hein. Surtout en plus en Ditto, il y a plein de trucs où tu peux pas vraiment abuser ton personnage, c'est pas très marrant genre. Ouais. Et puis même ça t'apporte vraiment pas grand chose de jouer contre ton perso genre. En termes d'apprentissage, à part si tu veux vraiment apprendre, tu joues contre un gars, il fait des trucs mieux que toi et tout, mais là, on est contre un game. On est en Ditto Game & Watch, les forces des deux persos s'annulent. Un petit peu, ouais. Je suis pas spécialement fan du Ditto, quoi. Ah, ça peut être le Ditto qui doit être très intéressant, vu que tu dois respecter comme si c'était un autre personnage qui jouait contre Game & Watch. Je sais pas c'est ce que ça, ouais, ouais. Genre Game & Watch, à un moment, il a plein de liberté dans ce qu'il fait. Ah, là, c'est, là c'est comme si tu jouais genre à la place d'un Wario, par exemple. Tu joues contre. T'es Wario, tu joues contre Game & Watch. Voilà, c'est à peu près c'est ça, la même chose. Le même état d'esprit. Obligé de jouer safe, d'attendre. Ouais. Il glisse tout le temps, il n'a pas pour rien. Là on a le Megaman, c'est parti. Pic cohérent de la part de Trim, encore une fois, on n'a pas envie de. Pour jouer ce Ditto bizarre. Et là on a changé de tag en plus, je crois. Il a changé de tag. Avant il avait le tag Mark, maintenant il a le tag DWN. Down quelque chose. Down Infini, je crois que c'est le titre de l'Infini ça. Ouais. Par contre j'espère qu'il n'a pas changé de tag pour se faire malade, ça serait quand même dommage. Hein. Tu connais le.
l'histoire de N qui a changé de tag à la SmashCon quand il perdait contre un héros. Entre la Game 1 et la Game 2, il s'est fait gonfler. Bah, on l'a beaucoup vanné sur ça, tu vois. J'espère que Trim, ça va pas lui arriver la même chose parce que on le vannerait de la même manière. Cette histoire, elle est vraiment trop marrante. Il a changé de tag en pleine game. Il a mangé encore plus la patate. Ouais, il y a un truc que je fais tout le temps. Heureusement, on m'a jamais vanné sur ça. C'est à chaque fois que je me fais gonfler, je change de skin. Ah, ça me fait. C'est tombé entre de mauvaises oreilles. Exactement. Ouais, merde. Ça sera amplifié, déformé et malaxé. Malaxé. Que merde. Mais là. Alors, voilà. Je sais pas trop, il fait quoi ce match, mais je pense vraiment. Déjà, tu peux déjà en tout cas beaucoup plus camper, être beaucoup plus à l'aise dans ta façon de camper, je pense, dans ce genre de match-up, vu que bah. T'as quand même des trucs qui vont être quand même être assez intéressants. Tu vas pouvoir mettre des murs d'hitbox quand même contre Game & Watch en vrai, si tu espaces bien. Ouais, ça va être un bon fer, une bonne fast fall speed, un bon drift et tout pour voilà, utiliser un petit peu les disjoints que t'as sur le perso, donc c'est assez propre. Le Smash Out of Shield en plus qui va être super solide. Ouais, t'as un bon projet en plus avec la Metal Blade. Que tu devras le respecter de la part de Virus. Ouais. On la chaise. Ouais. Hein. Ah ouais, les avantages. Après, je trouve en termes de force, déjà au moins en termes de l'échrap, vu que Megaman c'est quand même dur à l'échrap, je pense qu'on va aussi galérer un petit peu pour l'échrap Megaman hein, du côté de Trim, du côté du Virus, pardon. Ouais, ça confirme, ça prend la stun directement. Ouais. Comme on l'a dit, hein, un truc qui va être intéressant, c'est que des fois pour les whiff punish, t'as vu, tu peux pas trop whiff punish à mid-range avec Game & Watch quand t'es Game & Watch, c'est chiant. Alors que là, quand tu vois qu'il fait des trucs de merde, bah t'envoies une Metal Blade, Backer ça confirme, ça prend la stock. Hein. Après, ça va, peut-être le remplir avec des. Avec des citrons, je crois que ça fait pas grand chose. Attends, il peut absorber des citrons ? Ouais. Ah ouais. Ah c'est relou en vrai hein. Ouais, ça c'est vraiment relou quoi. Il peut aussi absorber le smash, le side B. Ça va, c'est moins important dans le neutral de Mega Man, mais les citrons, je trouve, c'est un big deal quand même. Hein. Et aussi, mine de rien, c'est aussi un reflex, donc utilisé dans certaines situations, notamment upper, backer, enfin notamment upper dans l'air, ça peut être chiant. Ouais, exactement. Et la trim, je pense, en lui, pour lui, ça va être littéralement de survivre. Hein. Là, ah il s'en fout de quoi que ce soit. Il avait juste shield directement, il va se faire grab, il s'en fout complètement. L'obligé, c'est juste de gratter petit à petit et de pas perdre sa stock parce que dans ce genre de situation, bah, forcément, tu vas être un peu plus susceptible de prendre des risques avec Game & Watch, forcément. Et bah, tu à la il faut pas le gâcher. Hein. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, là, pour l'instant, il est très conscient de ça. Et toi, il ne fait pas gratter. Il arrive à whiff punish bien. Oh air dodge, on grab derrière. C'est... Il aurait pu mettre up-tit et réagir, mais en tout cas, on a pris les pourcents. On va mettre le smash en ledge trap, ça va prendre la stock. Et là, franchement, le lead, il est considérable. Hein. 150, full rage, un Megaman bien vénère. Mais Trim, il est trop fort pour camper en vrai, j'y pense. Hein, mais oui, c'est un bête de campeur. Hein. C'est vraiment des meilleurs campeurs de France. Oh là là, l'avantage take. Il joue pas tranquillement plus, il a un bon avantage. Du coup, ça veut dire que tu peux vraiment jamais te reposer. Ouais, il ledge trap très bien. Ça encore, il campe de fou, mais en avantage, il est pas fort, ça va, tu vois. C'est gérable. Mais là, le mélange des deux, c'est compliqué. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand t'as un bon avantage, même quand tu campes beaucoup, bah, ça fait que les games peuvent aller très vite des fois. Parce que une touche de balle, ça peut être une stock. En tout cas, tu mets en désavantage et tu grattes petit à petit. Là, tu vois, là, il a 2 sauts d'avance. Il reste que 3 minutes dans un match-up où il aurait pu être beaucoup plus patient, entre guillemets. Et là, il est pas loin de prendre la game en plus, là. Ouais, clairement. En fait, même si on sait. Que l'adversaire va faire quelque chose du côté de Trim, on va juste y aller de manière très soft. On va envoyer un projectile, on va faire un truc drift back, on va pas se prendre la tête. Voilà, on se casse. On n'a pas de raison de jouer. Mmh, ok. Il faut voir en l'échrappe, Trim en vrai. Mmh. Tu sais, moi je trouve dans le jeu, enfin en France, Trim c'est un des meilleurs l'échrappeurs, tu sais pourquoi? Parce que Megaman c'est pas une dinguerie en l'échrappe, genre c'est fort. Et il échappe très bien, donc ça veut dire qu'en gros c'est pas seulement le personnage qui l'aide beaucoup, tu vois. Ça, ouais. Quand t'as des mecs en France ils sont trop forts en échappe, genre là il est trop fort, par exemple Léon il est très fort, mais Lucina c'est trop une dinguerie en échappe par exemple. Ouais, alors que lui, je trouve il est très fort en échappe, mais à la fois Megaman c'est pas un truc de fou, donc ça veut dire tu sens que le joueur il est aussi très bon dans le conditionnement et il applique très très bien son main game, son temps de réaction, ses conditionnements en échappe. Clairement, en vrai, il me semble que c'était un 3 stock en 4 minutes. Hein. Ouais, en bonne et due forme. Hein. Ouais. C'est le genre de mec, Trim, il peut 3 stock en gagnant 75 interactions et ça dure 5 minutes, tu vois. Oui. T'as des mecs comme The Flow, il 3 stock, t'as perdu 2 fois le neutral et t'as mis un jam smash, t'es mort, t'as perdu 4 fois le neutral, tu dis bon, est-ce que je peux y faire grand chose, je sais pas, faut pas faire le neutral. Mais lui, tu vois, en fait, t'as tellement le temps de réfléchir à toutes les wins de neutral que t'as perdu, enfin toutes les loses de neutral. Ça, du coup. Moi, je trouve que c'est mieux de se faire fumer ouais. que de se faire. Grillé à petit feu comme ça. Ah ouais. Tu
comprends rien en fait. Ouais, pendant 5 minutes, tu comprends rien. C'est pendant 5 minutes, tu comprends rien. Le gars, il fait des trucs de fou, tu comprends rien. Alors, tu vois, là, Virus, il met sa main sur son menton et il réfléchit, Crary, là. J'espère qu'il aura des bonnes solutions après cette game. Non, hein. Bah, vraiment. En vrai, la première stock était CS, voilà, dès que Trim a chopé le lead, il s'est barré. On a eu beaucoup de précipitations du côté des kill options, il va falloir peut-être un petit peu régler ça. J'ai hâte de voir cette troisième game, je pense qu'il peut être intéressant. C'est quoi le coup de pique? C'est SBF, je crois. Hein. SBF, ouais. Ouais. Ça, c'est un stage de teaser. Par contre, de la tech. Ouais, les amis, par contre, moi j'aimerais bien qu'on arrête de faire Crary et qu'on appelle SBF, on va l'appeler Small PS2, parce qu'en réalité, c'est pas un Small BF, c'est un Small Battle. Enfin, Small PS2 en vrai. Small hein. PS2, ouais. C'est le mieux de l'appeler Small PS2. Donc, on part sur Small PS2, les amis. Même matchup toujours. Par contre, on a switch du skin de la part de Virus. Il a fait la The Flow là. Hein. Ah ouais, il s'est fait gonfler, il a regardé. C'est déjà bon. Ça allait peut-être pas avec ce Game & Watch là. Je vais reset, je vais changer d'état d'esprit. Je vais prendre un autre skin de Game & Watch. Mais tu sais que sur Smash Bros, il y avait une histoire de, tu sais, sur Destination Finale avec les transitions de terrain. Tu sais, des fois, le fond du terrain il changeait de couleur. Ouais. Et des fois, quand t'avais un skin de Game & Watch, notamment celui-là, des fois, tu voyais pas le personnage dans les airs, si il faisait une air dodge ou pas. Du coup, ça fait que. Eh, c'est trop craqué. C'était un peu chiant. Il y avait Mewtwo, il avait le même délire aussi. Mais ouais. Ça, c'était plus parce que son air dodge est devenu invisible quand il le faisait. Bon, oh, c'est bloqué. Il s'est mangé un spike, il a dit bon, c'est pas mon dos. C'est vraiment pas mon problème, chef. C'est vraiment pas mon problème. Tu vois, genre, il y a des persos comme ça, ils ont des problèmes, il y en a d'autres qui sont moins. C'est chacun ses soucis dans le jeu. Hein. Zéro souci. Chacun ses problèmes. Et moi, je n'en ai pas beaucoup, malheureusement. Enfin, heureusement pour lui, du coup. Ouais. Mais on est toujours sur la même dynamique. Hein. Trim, dès qu'il prend un peu de lead pour le comeback, c'est mission impossible. Chaud. Ah ouais, c'est chiant. C'est chaud. Je trouve que Cheese, un joueur comme lui, c'est vraiment dur. Parce qu'il a un bon désavantage. Bon désavantage, le personnage a un bon désavantage. Le personnage est lourd, donc ça veut dire qu'il va pas caner bêtement sur des vieux trucs. C'est ça. C'est-à-dire même si t'as un lucky hit. Bref. Oh, bien vu ça. Ça c'est de la ride. Ça c'est de la ride. Par contre là du coup c'est la première fois je crois dans ce match-up là que Virus a le lead. Ouais. On va avoir une physionomie totalement différente, je pense s'il commit pas ça peut être super dur à gérer. Clairement, là je pense genre de match-up quand t'as le lead, le mec qui devra approcher il va galérer un petit peu en vrai. Parce que les deux sont très bons pour anti-approche. Oh là là, magnifique faire, très bien spacé pour vraiment contester ce neutre alert qui est pourtant très disjoint. Hein. Mais vu que le spacing était parfait. Alner il est disjoint mais tard dans l'animation. Ouais. Genre en mode, parce que quand les poissons ils sortent du bocal et qu'ils vont un petit peu devant, c'est dingue de dire ça. C'est vrai que c'est les poissons qui te combourent. Hein. Ouais. Bah, tant que les poissons ils sont pas sortis, en vrai tu peux compter sur tout. Tu vas pas forcément compter dessus parce que le risque ward il est disproportionné. Toujours bon à savoir. Mais attends, mais j'ai remarqué quand tu joues Game Watch, il y a un gros champ lexical de cuisine en vrai parce que il envoie des poissons, il te fait des merguez. Mm-hmm. Il a une tortue aussi. Ouais, il a un marteau, il a une tortue. Il y a beaucoup de fruits de mer, je trouve. Hein. Ah ouais, ouais, c'est ça. Hein. C'est un perso qui se sert de tout. Il y a une pieuvre aussi. T'as vu son backer, c'est une pieuvre. Ouais. C'est vrai. Non, attends, le backer, c'est une tortue. Ouais, ah, on dirait une pieuvre un petit peu. Genre. Ah non, c'est son Final Smash, il se transforme ouais, en pieuvre, je crois. Ouais, c'est... Il a le scaphandre. Donc, tu sais, on est vraiment beaucoup dans le champ lexical ouais, de l'océan. Ouais, exactement. De l'océan et de la mer. Exactement. Game & Watch. Oh, il est... Wow ouais, il est mort. Oh, la J.I. de ouf. C'est une J.I. de ouf. Je pense qu'il s'attendait vraiment pas à décoller à 90. Ouais. Oui, hein. Ce truc avec Megaman. Surtout, il s'attendait pas à se manger le poste vu qu'il en fait très peu en vrai. Ah wow. Ça a failli tuer. Oh là. J'ai eu peur là. Oh, j'ai eu peur. Takuni qui nous dit il veut pas être noyé Game & Watch du coup. Ah ah. Badum. Merci pour la bonne blagounette. Tu repasseras une autre fois pour du Smash Bros si tu veux, mais les blagues, ah ouais c'est pas trop ça. Hein. Ah ouais. Alors là, oh le nerf, oh le vilain nerf. En plus, surtout que tu vois, Trim, il a même pas fait de mix-up de t'as vu, de spacing, il est resté à la distance de rôle, il n'y avait pas de raison de faire de nerf comme ça là. Elle sait que s'il avait aspiré ça, oh là 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 là. Oh, c'est la fête. Hein. Oh là 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 là. Il avait juste à prendre 2-3 citrons pour compléter, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est l'assaisonnement. C'est vrai. Mais du coup, là, on a bien la confirmation que Virus, tout à l'heure, quand il faisait le mec qui pensait à sa game, il se passait absolument rien dans sa tête. C'est la stat, hein. Je disais, tu peux pas avoir le mec qui réfléchit ah ouais et de faire deux stocks derrière. Ah ouais, il y avait des singes comme ça et des singes qui te détimbalent. Ah, je suis mort. Comme dans les Simpsons, là. Je suis mort de fou. Mr. Game & Watch. Plus sérieusement, je pense que là, en vrai, tout va jouer sur le fait de. Faut pas perdre le lead contre Trim hein, parce que c'est vraiment chaud, j'ai l'impression. Déjà dans le matchup,
trouve que Megaman il se débrouille bien pour camper convenablement, forcer des interactions un peu risquées de la part de Game Watch. Et en plus, Trim, il a surtout maintenant il a un bon build du game, ça veut dire qu'avant son défaut c'était le fait de prendre des stocks, tuer à des pourcentages, des fois un peu indécent avec le petit sur les setups. Maintenant il tue très très bien, il gratte très très bien, il échappe très très bien, donc ça veut dire tu peux beaucoup moins te permettre de drop d'élite contre lui. Hein. Ah non, là vraiment là t'as pas le droit. Là, t'as... Wow voilà, voilà pourquoi on vous a dit que Virus était un destructeur de braquettes pour cette raison là. Il arrive en braquette. Il sait très bien qu'il va peut-être pas gagner le tournoi, mais il se dit bon, toi Trim là, t'as envie d'aller en winner final aujourd'hui? Et non! Et non chef! C'est moi! C'est pas pour toi! On repasse demain peut-être. En plus t'es free agent, j'en ai rien à foutre. Eh ouais mec, c'est un mec qui joue pour Dahex, c'est tout. Il vient, il fait 2-3 tournois. 2-3 tournois, tu sais, le soir tranquillement. Après être rentré de son... de sa petite journée avec son labrador, sa petite maison à Melun, tu vois. Il a pas notre temps, frère, hein. Franchement, je sais pas, si on fait de la compétition sur ce party game, lui il vient, il va fumer 2-3 mecs forts. Ah, il vient juste kiffer, genre un personnage très facile, très fort. Ah ouais. C'est carré, genre, ah ouais, carré dans la. Tu vas me dire, t'as pas envie de jouer un personnage qui est complexe quand tu joues pas énormément déjà au jeu, tu vois. Donc, faut se faciliter la tâche, tu vois, par rapport à ton contexte. Ouais, c'est sûr. Tu vas pas aller pick-up des jokers, des trucs comme ça. Ouais, si ouais. T'as pas le temps de doser, de comprendre toutes tes interactions du jeu. C'est Game Watch, mec. Même si tu comprends rien des fois, c'est carré. Ah, c'est carré, hein. Ouais, c'est vraiment, que dalle, hein. Y a pas de problème, hein. Tu peux rien comprendre. Y a pas de problème. En plus, c'est la jauge de hasard, je la sens très chargée. Ah, alors, franchement, ici, j'ai le lead. Ouais. C'est la teuf. Je lui ai envoyé un œuf, du coup, il est dans le bouillon un petit peu là. Ouais. Oh la GI. C'est chaud, je pense que si vous voulez drift back, c'est la situation se barrer tranquillement. C'est une GI d'étudiant en école de commerce, ça, je reconnais. Hein. Ouais. C'est des mecs qui sont pas trop le temps de jouer. Ça, c'est vraiment les GI qui passent trop de temps au B2. Tu passes vraiment trop de temps au B2 de ton école. Ah, vraiment, organiser des soirées étudiantes. Aller sur des péniches. Aller sur tout plein de bateaux. De ouf. Mais tiens, encore une fois, on a dit ça. Une erreur. Trim, il récupère le lead. Et c'est une dinguerie. Hein. Trim, il va trop vite en avantage. C'est comme vrai, on l'a dit, tu vois, il campe de fou. Mais l'avantage était présent. Il est vraiment présent. Il était du respect sur ce jeune joueur. Oh. La Gezmer qui était passée. La Melgeuse. Qu'est-ce que le backer de Game Watch est solide quand même. C'est un move de dingue hein. Qu'est-ce qu'il est solide. Je t'en sers vraiment. Tu dis à tous les râteliers en fait. Neutral, avantage, des fois les shrap aussi, partout. Backer en neutral en setplay aussi, c'est pas mal. Ça va. Faut pas se prendre de fer, faut pas se prendre de chaise, faut pas se prendre de smash, faut pas se prendre de dance smash. Faut pas se prendre de backer, on va être off stage, ça va être chaud. Faut pas en vrai, faut juste pas perdre le neutral. Hein. Et là, voilà. Là, shield. Là, je crois on veut trop tuer à chaque fois du côté de ouais, c'est ça. On commit trop facilement sur les options de kill move. En vrai, les kill moves de Game Watch, ils sont pas tous safe en vrai. Hein. Genre, chez c'est pas safe. Les smash sont safe, mais faut bien les spacer, tu vois. Et en gros, si tu cours derrière, bah après, tu vas te faire finir. Mais c'est pas tous ces moves qui sont safe en vrai pour tuer. Donc, ça veut dire faut quand même être intelligent et bien positionné. J'ai l'impression qu'ils se laissent un petit peu aller. C'est ça. Alors, en fait, justement, quand un joueur comme ça qui a un top et qui a l'habitude, tu vois, de jouer. Oh attention. Ça me revient, c'est Game Watch quand même. Hein. T'es habitué un peu de toutes les interactions bourbier et tout, etc. Bah, t'es obligé d'avoir un petit peu de subtilité dans ton abus de personnage. Tu peux pas juste y aller comme ça et te dire ok, vas-y, ça va marcher. Genre. Parce que du coup, maintenant, c'est tri, mec, le lead, il a 152%, il va pas décoller tout de suite, il se prend un backer et il s'en fout. Et il s'en cogne, non? Ah, vraiment, ils sont contre-balance. Hein, c'est dommage qu'on ait pas pu profiter beaucoup plus du lead qu'il avait en début de game, Virus avec ce neuf, parce que là. Oh la chaise. Heureusement, il a attrapé le, ouais, le ouais, truc. Ça, c'est un truc qui me fait serrer quand je joue Toon Link. C'est que. Il y a des gens, des fois, ils vont envoyer une bonne dash attack, un truc. Et ils rattrapent en même temps l'outil. Ils rattrapent en même temps ton outil de Wish Finish. Ouais. Du coup, ça fout le seum un peu. Genre. Ouais, je comprends. Oh, l'avantage fake, ouais. Ouais. On deny le stage. On lui a rien laissé. On lui a rien laissé, par contre. Attention quand même, on a la Metal Blade dans la main. Ouais. La pêcheur avec cette PR, c'est dangereux. On n'a pas sauté, on n'a pas fait de client, c'est bien. Il va falloir dire qu'il passera quand même. Mais qu'est-ce que c'est tendu pour Virus là, de récupérer le centre du terrain, de récupérer un minimum de sécurité, c'est chaud. C'est chaud de ouf hein. C'est chaud de ouf. Ouais, ça tue. On a le confirme, on était pas sûr du coup, on a pas commit là-dessus. On va prendre son temps du côté stream. Le mec. Aïe. Oh, la tortue hein. C'est tortue génial frère. Ouais, vraiment, vraiment ça c'est de la tortue. Hein. La tortue compétition hein. Allez, t'envoies un tortank là. Wouh!
En vrai, un dans smash perdu, c'est ça du va risky warp. C'est du risky warp. Ouais, c'est safe. Ouais. Comme on l'a dit, en vrai, non, en vrai c'était safe, c'est juste qu'il a juste retapé derrière, il aurait pu juste chill ou se barrer. Mais. Je suis pas sûr que ce soit safe, non. Oh, un smash de Game Watch, gros. Attends, je vais regarder. Là, c'est sûr parce que, en tout cas, là, il s'est fait bien parce qu'il a voulu retaper derrière. Moi, je suis sûr que Mega Man, il peut finir. Ouais. Attends, on va aller jouer là, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on laisse notre place là pour le. Ouais, le je crois qu'il qu'on laisse notre place. Hein. Ouais, attends, juste Upsmash Mega Watch, c'est. Alors, le Dunsmash manque 15, oh putain. Non, le Upsmash. Allez, moins 6. Moins 6, ouais. Ah, non, c'est mort. Ah, y'a pas de rêve. À moins que t'aies le Update Game Watch, c'est mort dans le film. Hein. Ouais, c'est pour ça que Game Watch se débrouille bien contre Game Watch. Exactement. Putain de. Mais du coup, sur